Salut les amis, c'est Alex Gaming, nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo présentation collection, enfin disons que de ma collection. Sauf que là, aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo, comme vous avez vu sur la miniature. C'est les jeux spéciaux 505 Games Read que je possède dans la collection. Voilà, tout ce que je possède. Voilà, j'en ai à peu près 16 jeux. Et en plus, je vais en avoir un à nouveau bientôt. Un autre jeu que j'ai pas dans ma collection, bon, vous verrez un peu plus tard, mais je vous présente à peu près ce que j'ai dans ma collection. Voilà, donc c'est génial. J'ai quoi voir. Voilà, bon, je vous montre les moins bien jusqu'au bien. Voilà. Je regarde juste, je fais juste le tri des jeux. Voilà. On va mettre celui-là là. Bon voilà. Bon c'est parti les amis. Alors je vous présente des jeux. Voilà, je vous présente le jeu Master Cheese. Il est par 505 Games Grid celui-là. Donc voilà, je ne l'ai pas revu depuis que je l'ai trouvé dans un cache, si je me souviens bien. Voilà, c'est un jeu d'échecs où tu. En 3D, où tu l'as en plusieurs versions. Je l'ai jamais joué celui-là, donc je peux pas vous dire ce qu'il vaut. Ou alors j'ai testé une fois, mais je m'en souviens plus. Donc voilà. Voilà le jeu d'échecs. Celui-là, il était complet celui-là. Je me souviens un peu plus qu'il était complet. Le CD, il était complet, tout ça. Donc voilà. Donc voilà, je possède un 505 game de jeu d'échecs. Voilà. C'est pas le meilleur, mais bon. Bien de l'avoir. Ensuite, j'ai World Fighter, bien sûr, je vous ai déjà montré dans une vidéo d'achat. Voilà, World Fighter, voilà, par petit prix, forcément, parce que c'était pas des jeux meilleurs. Bon, c'est un jeu de boxe, voilà, tout le monde connaît. Voilà, je n'ai jamais essayé encore. Voilà, par 505 yens. Celui-là, il était complet, je m'en rappelle. Voilà, c'était ça. Donc voilà, je suis très content de l'avoir eu, celui-là. Ensuite, il n'y a pas très longtemps, j'ai rentré le Twitch de partie. Voilà. Il était complet. En plus, celui-là, un jeu de party game, puzzle game, ou je sais pas quoi. Faudra que je l'essaye pour tenter. Celui-là, il est de plusieurs langues. Celui-là, il est en français. Et celui-là, il est en français. Donc, vous voyez, celui-là, il était italien, français et anglais. Celui-là. Je sais qu'il y a le premier. Il doit exister, mais il faut le trouver. Voilà. Comme vous voyez dans la casquette, ça tire pas la vue, mais bon. Après, je suis rentré une bouse aussi. Mais 505 Games Read. Un jeu de. Bon, déjà la jaquette, elle est un peu morflée. C'est un peu dommage. Peut-être, je sais pas si je le retrouverai, j'en sais rien. Un jeu de danse où tu dois te défouler, faire du sport. Voilà. On va savoir pourquoi. Qu'ils ont créé ce genre de jeu un peu chelou. Comme vous voyez sur la jaquette. Voilà. Donc voilà, c'est un jeu. Bah, il était complet celui-là, je me rappelle. Voilà. Il avait la notice. Et là, il était complet, quoi. Ça, c'était bien. Bon, la jaquette qui est un peu morflée, c'est un peu dommage. Après, en brocante, je me souviens bien, j'ai trouvé ça. Je l'ai acheté en brocante celui-là. Et apparemment, quelqu'un l'avait acheté à cash pour 1€. Bon, bah, c'est de la merde, hein, je pense. Je ne l'ai pas essayé. Mais je sais pas, il faudra que je l'essaye pour voir. Mais il doit être pas fait, à mon avis, ce jeu de moto. Mais c'est par 505 Games aussi, celui-là, qu'il avait développé. Par petit prix, forcément. Voilà. Et celui-là, il était complet. Voilà. Il était complet, celui-là. Donc, ça, c'est bien. Il était complet, celui-là. Envie de grogner, je sais plus combien je l'ai acheté. Voilà. Ensuite, j'ai rentré du Street Boys. Voilà. 505 games aussi, par petit prix. Un jeu de. Je sais pas, je l'ai pas essayé celui-là. C'est un jeu de combat apparemment. Ouais. Argent d'acheter vos armes et fringues. Ouais, il faudra que je l'essaye ce genre de jeu. Maintenant que j'ai tout rangé mes jeux, j'essaie de tout classer les 500 games pour que je puisse les retrouver. Voilà. Dès qu'il se balade. Ah ouais, d'accord. La boîte qui est. Elle est un peu pétée la boîte. C'est pas grave. C'est dommage.
sais pas, il a pris un coup, j'en sais rien. Voilà, donc un jeu 500 games que je l'avais pas. Donc, je suis content de l'avoir eu celui-là. Excusez-moi. Voilà, donc je suis très content de l'avoir eu celui-là. Après, en brocante, j'ai rentré The Bib, la Bib Game, jeu de la Bib. Celui-là, il est pas très commun à le trouver, celui-là. Voilà. Il a l'air peut-être bien, je vais essayer un C4. Voilà, 505 games aussi celui-là. Et il était complet. Voilà, avec la notice. Donc ça c'est bien. Je suis très content. Parce que celui-là, il est très recherché, celui-là. Tout le monde le cherche, celui-là. Donc voilà. J'étais content de l'avoir pour pas trop cher en brocante en plus. Après, un abonné m'a envoyé un jeu 500 games que j'avais pas. Paparazzi. Donc je ne l'ai pas encore essayé, donc je sais pas ce qu'il vaut. Mais le but c'est de faire des photos. Donc ça c'est faisable. À mon avis c'est ça le but du jeu. Mini prix. C'était un 500 game. Donc voilà. Celui-là il était complet aussi. Voilà. Donc voilà, un jeu. Bah, c'est le but du jeu, c'est de faire des photos. Faire le paparazzi comme dans la vraie vie. Je sais pas, il faudra peut-être que je l'essaye pour voir. Après, j'ai rentré Fear Heroes, qui a l'air peut-être bien, je ne l'ai pas encore essayé. Donc, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps. Voilà, un 505 game, un jeu de où tu incarnes un pompier et tu éteins le feu. Voilà. Donc, voilà, ça c'est génial. Il y a 24 décembre, Albert, ouais, en 19... ouais. Bon, il raconte l'histoire, il y a peut-être un scénario. Celui-là, il était complet, je l'ai acheté à Paris, celui-là. Voilà. Bon, la boîte est un peu abîmée. Mais bon, je suis très content de l'avoir dans la collection des 505 games. Après, j'ai rentré Radio Hélicoptère. Je sais qu'il y a le premier, mais je sais pas si l'abonné, quand il va m'envoyer, ce sera le 2. Je sais pas. On verra. Je suis impatient de l'avoir. Peut-être le prochain jeu, j'aurai. Voilà, le hélicoptère où tu incarnes un hélicoptère téléguidé. Voilà, le but c'est ça. Donc je l'ai pas essayé, mais je sais que c'est un jeu téléguidé. Donc je vais peut-être un jour le tester, ce genre de jeu. Voilà. Bon, malheureusement, celui-là, il n'avait pas de notice. C'est dommage. Ouais, mais bon, je suis trop content de l'avoir. Je vais le garder pour l'instant. Tant que je trouve pas la version complète. Voilà. Mais je suis très content, franchement. J'espère que c'est le 2 que j'aurai le prochain. Ensuite, un autre 505 game, mais par Tito. Gravity Kingdom. Vous voyez, 500 games, hein, vous voyez. Je vous mens pas. Donc voilà, par Tito. Voilà, c'est un jeu, je n'ai pas essayé celui-là aussi. Je ne sais pas ce qu'il vaut. Je ne l'ai pas essayé encore. Ça joue à un ou deux joueurs. Malheureusement, il n'a pas de notice celui-là. Dommage. Mais. Je suis quand même content de l'avoir parce que je ne l'ai pas revu depuis celui-là. Je ne l'ai pas revu. Donc je suis content de l'avoir eu acheté celui-là. Même s'il n'était pas complet. Comme je vous dis. Voilà. Voilà, je vous mens pas. C'est juste qu'il est derrière le logo. Après, on va commencer par du lourd. Après, avant le lourd, je vous montre le jeu de Aves Mode. Voilà. Par 505 games aussi. Je l'ai testé une fois celui-là et il est pas mal. C'est un jeu de ferme où t'as, le but du jeu c'est de faire une ferme et créer ta vie de fermier. Voilà, sans plus. Voilà. Je sais plus combien je l'ai acheté mais il m'a coûté un bras celui-là je crois. Il était complet celui-là. Voilà. Voilà, il avait 500 games il avait fait ce jeu-là à l'époque. Donc voilà. C'est ce jeu où il y avait ce logo-là. Je sais pas si les autres versions, ils avaient refait sur 5 games, je sais pas. Après, j'ai récemment testé... Je l'ai testé. Il est sympa. Je l'ai testé dans la journée. Je l'ai testé pour voir ce qu'il vaut. Après, c'est pas le meilleur, mais c'est un jeu de shoot. Donc voilà, si vous adorez les jeux de shoot, quand même, il coutumera au niveau prix. Hein. Je vous ai dit dans la dernière vidéo que c'est tout récent. Bon, il est en anglais celui-là, il est qu'en version anglaise. Il n'est pas en version française. Voilà, vous avez c'est un peu bizarre au début les menus parce que c'est en anglais. Et après, vous pouvez mettre en mode easy, vous pouvez choisir les niveaux
Et puis c'est un jeu de shoot quoi. Voilà, vous tirez, vous incarnez des personnages, vous pouvez choisir des personnages. Et ensuite, bah, vous tirez quoi. Voilà, il y a des boss, voilà, et autres. Voilà, il était complet, si je me souviens bien, voilà, ça, il était complet, je vais pas besoin de vous le montrer. Mais voilà, donc je suis très content de l'avoir essayé. Je voulais tester celui-là, il est pas si mal. C'est pas le meilleur, mais c'était pas si mal. Ensuite, bon, malheureusement, je l'ai toujours pas testé celui-là. Pas encore, donc vous avez dû voir dans mon intro, on le voit. Voilà, il n'avait pas de notice celui-là. Donc je sais pas ce qu'il vaut encore, je ne l'ai pas encore essayé. Donc voilà. Mais il a l'air peut-être sympa celui-là. Je suis assez content de l'avoir celui-là. Donc voilà. Dites-moi ce qu'il vaut. Faudra peut-être que je l'essaye. Voilà, 505 Games avait fait ce genre de jeu aussi. Voilà. Ça donne envie, c'est vrai, derrière. Voilà. Alors, il me reste deux jeux. J'ai le Assault Suite Wacken. 505 Games avait créé ce genre de jeu aussi. C'est un jeu qui s'est sorti sur Super Nintendo, je crois. Et ils l'ont ressorti sur PS2 avec la version 505 Games. Et celui-là, il y a trois langues. Donc ça, c'est cool. Voilà. Je l'ai testé, il est bien. Il est bien. Il n'y a pas photo. C'est du lourd, ça. C'est du jeu qui a du lourd, comme 500 Games. Donc je suis très content. Il était complet en plus, celui-là. Donc voilà, je vous le conseille. Bah, je vous le conseille, quoi. Parce qu'il est sympa ce jeu-là. Il est assez dur quand même. Mais bon, je vous le conseille et puis ça fait vraiment rétro quoi. Et le dernier jeu, bah, un RPG que 505 Games avait fait. Bah, vous connaissez tous, pardon. Bah, Manakata. Voilà. Je l'ai déjà joué une fois il y a très très longtemps pour tester. Il est énorme. Il est énorme celui-là, c'est du lourd. Par 505 Games, là pour une fois ils ont fait quelque chose de sympa. Voilà, ils ont fait un RPG qui est génial. Et je l'ai acheté une fois dans un cache, très 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 longtemps. Au début de ma collection, je me rappelle. Donc je suis très content de l'avoir eu celui-là. C'était mon tout premier 505 Games où j'ai chopé quoi, regarde. C'était mon premier jeu 505 Games, donc j'étais content de l'avoir eu celui-là. Il est excellent. Je sais qu'il y a le 2 sur Xbox 360. Voilà, il faudra que je le chope quand même celui-là, même si j'ai pas la console. Il faudra que je chope le deuxième parce qu'il y a la suite de celui-là. Voilà, il a l'air énorme, il est excellent quoi, je vous dis. Et il date de 2006, il est toujours aussi beau ce jeu-là. Voilà. Moi j'aime bien. Moi, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Mais voilà, pour moi c'est un excellent jeu. Pour la, voilà, je vous montre le meilleur pour la fin sur les jeux 505 Games. Voilà. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu la présentation tous mes jeux de 505 Games Squid. Voilà tout ce que j'ai dans la collection des 505 Games. Je sais qu'il y en a énormément. Je vois mes dernières vidéos sur présentation de mes futures retrouvailles de mes 500 Games. Je sais qu'il y en a. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup de ce genre de type. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous trouvez qu'il y a certains qui sont rares, est-ce qu'on peut trouver ou pas? Voilà. Donc, je suis très content de ce que j'ai déjà dans ma collection, mais il m'en manque pas mal. Voilà. Donc, je suis très content. N'hésitez pas à mettre un like, abonnez-vous et mettez la cloche pour recevoir mes vidéos et laissez-moi des commentaires. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Je vous dis ciao, les amis.